Et salut tout le monde, c'est Kevin Unvers et bienvenue pour ce nouvel épisode de PVZ2. Donc ouais, ça faudra qu'on fasse encore des bastons, c'est vrai qu'on n'en a pas encore fait. Oh, mettez-les en compote, découvrez Fraise Badaboom dans la partie de Pignata. Ah, c'est des Pignata spéciales. C'est marrant les Pignata spéciales, mais parfois c'est pas facile. Ouais, ça je connais le principe de toute façon. Voilà pourquoi je dis que c'est marrant. En fait, les zombies ils ont des espèces de déguisements, voilà, c'est. Voilà, alors ça one shot les diablotins quand c'est comme ça. On va juste attendre qu'elle pousse un peu. J'adore cette plante. Est vraiment marrante. Bon, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Me fait trop rire. Oh, cardon baston. Ok, il y en a déjà une qui est bonne là. Allez, hop. La tête qu'elle fait en plus quand on l'envoie valser. Ok, oula. Oh. Elle a de la détente, cette petite fraise. Ok. Allez, là, on envoie tout ce qu'on a, là. Oh-oh. Oh, putain, 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 putain. Allez, 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 s'il te plaît. Ouais, on a eu. Ah ouais, c'est vrai, c'est des fusées là. Wow. Wow. Alors malheureusement, la fraise Badaboom qu'on n'aura jamais parce que c'est une plante payante. Enfin bref, donc on a nos diamants. On en a combien là? 97. Oh! Oh! Ouais! Génial! Allez, on l'a enfin! Oh! Ça va être tellement plus facile maintenant les niveaux. Est-ce qu'il est pyro-pisto-pois? Oh mon dieu, c'est magnifique! Voilà, il n'y a plus qu'à de nouveau économiser pour des diamants. La prochaine, c'est la Goyeleve. Alors, le petit jardin zen, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été. Voilà. T'es à 60 pouces quand même. Franchement, le nénuphar, il sert à rien, à part dans la plage des déferlantes. J'aime gratuite. Ouais, sûrement avec les vidéos. Alors, salade glaciaire. Alors maintenant, le pyro-pisto-pois, je prends. Non, on n'avait pas encore assez pour l'améliorer. Ce n'est pas grave. Ah, on va enfin pouvoir s'amuser avec les niveaux. Alors, faudra encore qu'on fasse le briseur de vase, les zones illimitées. Bah, j'essaie de faire le let's play le plus complet possible. Alors, j'avais dit qu'on ferait les niveaux une fois qu'on aurait ce qu'il faut. Eh bien, je pense que maintenant, on a ce qu'il faut. J'attendais en fait le pyro-pisto-pois. Parce que le pyro, il fait mal. Hein. Je vous jure, il fait mal. Alors, toi, je te remplace par
cette petite merveille que je mets en favori. Non, il n'y a pas de zombies volants, donc ça va. On peut remplacer par l'éclateur de tombe. À la limite, ouais. C'est vrai que ça, on peut le remplacer par une mine patate juste pour le fun. Ouais, on va essayer avec ça. Alors, déjà, hop. Alors, l'éclateur de tombe, une fois qu'il sera placé, va compter pour une plante. Mais ça va disparaître après, hein, donc. Voilà. Ah, qu'il est magnifique ce pistopois. Tac, 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 tac. Alors, c'est comme un primo pistopois, sauf que ça tire beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas les mêmes effets, bien sûr. J'en mets un sur chaque ligne. On peut rajouter un petit tournesol. Ouais, je me demande si... Oula, 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 oula. Oula. Ouais, ça compte, ça compte, ça compte. Oh, si j'avais su, je l'aurais laissé. Bon, c'est pas grave, je peux faire ça au pire. C'est pas grave. Voilà. Oula, 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 vous voyez quand je vous disais qu'on aurait plus facile après, une fois qu'on l'aurait lui. C'est pas pour ça qu'il faut pas utiliser des pouvoirs de temps en temps. Parce qu'au niveau 2, il fait très mal, mais là. Bon, ça va, là, on a une double ligne. Calmos, les zombies, calmos. Allez, bouffe-le, bouffe-le, bouffe-le. Magnifique. Alors, le pyropistopois, c'est une plante que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, maintenant, dans les grottes glaciaires, on va pouvoir... Franchement, on va pouvoir s'amuser avec les grottes glaciaires. Bah ouais, c'est logique aussi, parce que le pyropistopois est une plante de feu. Donc, autrement dit, les plantes de feu vont réchauffer les plantes sur le côté. Et comme c'est une plante qui attaque assez bien et assez vite, bah vous avez compris que je l'utilise assez souvent. Oh là là! Pff, ouais, franchement, peut-être pas la mine patate. La catagraine, moi je mettrais une fois pour changer. Fayopeter, non. Moi, ouais, on va essayer avec ça. Je suis pas encore la bombe cerise, hein, faut que je la débloque. Ouais, allez, on va essayer avec ça. On va bien s'amuser, je le sens bien. Ok. Par contre, bien évidemment, il coûte plus cher qu'un pistopois basique. Il a le même prix qu'un primo pistopois, mais ça va quoi. Il fait 4 coups pour un zombie normal. Allez, ramène un soleil. Ce qui me fait stresser, c'est le gargantua. J'ai vu un gargantua. Ah, merde.
Merde, 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 merde. Il y a une ligne qui est pas protégée. Allez, soleil, s'il te plaît, soleil. Soleil. Merci. Soleil. Allô? Soleil? Ouf. L'échappée est belle pour celui-là. Voilà, les tournesols sont placés. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la défense. C'est pas un zombie très robuste, hein, celui-là, mais bon, je me méfie quand même. Oh non, pas lui. Bon, au moins, on lui a beurré la face, ça c'est parfait. J'adore la catagraine, sans déconner. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit en vidéo, mais ce let's play, c'est pour mon frère Solid Big Boss 62 que je le fais. Merde, je me suis gouré. Parce que bon, comme il adore PVZ et qu'il est en train de faire le let's play. Ouais. Peut-être mettre une noix, on va voir. On va voir comment ça va avancer. Oh bah ça va. Voilà, ça avance bien, c'est parfait ça. Je vous l'ai dit, avec cette plante, il y a beaucoup moins de difficultés. Tout ce qu'il faut, c'est avoir la technique, savoir comment mixer ces plantes. La catagraine est un bon soutien en matière de blocage de zombies. Oula! Ok. Ouais, génial. Et on les a gérés, les amis. Allons, on les a gérés. Ok. Pignata. Et 1140 soleil. Oh, j'ai fait 8000 soleil une fois sur la cité perdue. Il y a tellement de soleil dans cette zone, c'est fou. Oh putain. J'ai pas pensé à la faire en la mettre en pause, celle-là. Oh la défense. Oh. Il n'y a pas d'éclateur de tombe. Oh mon dieu. Ça va être marrant celle-là. Ouh, oh, on peut la salade glaciaire? Oh, mais ça c'est merveilleux ça. On peut la salade glaciaire, bah tant mieux. Écoutez, on va pas cracher sur une salade glaciaire. Hein. Alors, on va mettre. Ouais, bon, on va essayer avec ça. Allez, on est chaud patate, on va essayer. Là, on y va avec du feu, là. Allez, là, on pète le feu, on y va avec que du feu. Et de la glace. Ah, mais oui, mais c'est vrai, ça va pas les figer. Bon, c'est l'intention qui compte. Wow. Ok. M'attendais pas à ça. Allez, 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 fais craquer, fais craquer, fais craquer. Allez, c'est bien, fais craquer, fais craquer, fais craquer. Ouais, génial. Ah oui, avec le pyropistopois, ça va beaucoup plus vite, hein. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est bien ça. Vas-y, vas-y. Ah, génial.
Bon, là, on peut laisser aller, hein, c'est bon. Oh là là, c'est génial, là, ça passe crème. Oh là, ça passe crème, c'est d'office. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, il y a du feu partout. À l'époque, fini, allez hop. Voilà. Et le dernier, on n'en parle plus. Allez, casse-toi. Ciao. Ah, ils ont bouffé une gueule de dragon. Ah, bah dommage. Ah. Ah, ça c'est magnifique. Double tournesol. Ouais. Ouais. Oh, le Nénu puissant, c'est une plante payante. Ok. Bon. Alors maintenant, le truc, c'est qu'on est au Docteur Zombos. Hey, ils ont... Hey, même l'Égypte antique, ils ont retiré les niveaux subsidiaires. Je viens juste de le voir. Anto avait raison, ils ont retiré tous les niveaux subsidiaires. Et attendez un coup, je vais aller voir. Il y en avait dans le Jurassic Mar. Attendez, hein, on va checker ça. Ouais. What? Il n'y en a plus? Ah, moins que... Bah non. Alors, il y en avait dans les temps modernes. Ok, donc ils ont gardé les trois zombos, mais ils ont viré les temps... What? Eh, ils ont viré tous les niveaux. Ils ont viré tous les niveaux subsidiaires. Ok. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Bon, bah écoutez, on va se faire un petit zombos. C'est parti. Alors une fois, ce que je ferais peut-être, c'est les refaire pour faire un épisode juste de boss, comme ça, ce serait pas mal. Bon, je vous laisse lire. Je vous préviens, c'est chaud, hein. Alors, juste se repose 2 secondes. Alors, je vais checker ma batterie, ça va. Allez, c'est parti. C'est bien parce que des petits jeux de téléphone comme ça où il y a des boss, c'est vraiment trop stylé. Je vais voir si ça marche. Ouais, il le prend, génial. T'as Hello, tu m'emmerdes avec ces trucs là. Il est en train de me foutre des tombes partout, lui, sérieux. Ah, c'est magnifique. Ah tiens, bouffe-toi ça, toi. Oh là 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 là, Gargantua. On va, mais on chie pour ceux-là, sans déconner.
Ok, on fout des plantes partout, on fout des plantes partout là. Ouais, il s'est pris la baffe. Oh, c'est génial, il s'est pris la claque. Alors, on en remet une. Oh là 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 là. Faut qu'on arrive à le gérer là parce que ça va être galère. Si pour au moins donner de l'engrais, ce serait bien. Ouais, génial. Oh là 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 là. Ah, il m'a mis une tombe, hein, le salopard. Voilà, magnifique. Voilà, ça ira comme ça. On va lui mettre un petit coup de tape-chœil. Ok, là il va sauter. Parfait. Je vais juste attendre qu'il saute à un endroit. Parfait. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on bosse, tu vas craquer, tu vas craquer. Ok, allez, c'est bon, là presque. Ouais, ça crée des tombes, ces saloperies, ça crée des tombes. Il faut un tape-chœil ou quelque chose pour lui tirer dessus. Voilà, on l'a presque, on l'a presque, on l'a presque. Allez, hein. Eh, sans déconner, on l'a presque, là. Eh, dégage, dégage, dégage. Oui! Ouh! On l'a eu. GG les amis, on a fini l'Égypte antique. Ouh. Je vous laisse lire, bien sûr. Parfait. Quel tape choy. Ah. Allez, niveau 3, magnifique. 25. Oh, super. Ouh, x3, ça fait. Oh, il n'y a pas beaucoup. Oh, x20. Bon, c'est pas grand chose, mais. Oh, les sacs de graines! Ce qui veut dire que. On a 5 diamants supplémentaires. Ça, c'est parfait. Voilà, alors pour l'épisode suivant, on se concentrera surtout sur la fraise Badaboum et l'embrasement. Bon, mais je trouve qu'on s'est bien amusé sur cet épisode. Hein. Voilà, on a éclaté son boss. N'oubliez pas, il reste des niveaux à jouer dans d'autres mondes. Ouais, et le prochain, ce sera sûrement les mers pirates, les amis. Magnifique. Pouvoir de l'engrais durer. Ok. Donc, prochain épisode de Plantes vs Zombies 2 sera sur...
complètement sur les mers pirates. Voilà. Donc on a presque fini les mers pirates. Je vais regarder où on en est. 17. On a presque la pierre épineuse. Alors la pierre épineuse, il sera utile dans le niveau 22. Ouais, la bombe serait. Bah ouais. En plus, regardez à droite, on voit encore la plateforme où il y avait les niveaux. Je sais pas pourquoi ils les ont retirés, c'est bizarre. Bon, enfin bref. Alors, faudra qu'on pense à faire des bastons une fois de temps en temps. Mais bon, en attendant, j'espère que cet épisode de Plants vs Zombies 2 vous aura plu. Donc, on a éclaté enfin le Zomboss de l'Égypte antique. Donc, l'Égypte antique s'est clôturée. Moi, j'y retournerai pour choper des piñatas hors vidéo. Voilà, donc bien sûr, ça je vous l'ai dit, je referai des niveaux hors vidéo pour farmer les plantes, les pièces et tout ça. Ça, je vous en avais parlé. Donc c'est pour ça, si vous voyez à un moment que j'ai plus de diamants, plus de sacs de graines, plus de pièces, tous des trucs ainsi, ne vous en faites pas, c'est normal, c'est parce que je farmerai de mon côté. Donc, ouais, voilà, donc je farmerai de mon côté. Et on a enfin le pyropistopois. Voilà, donc maintenant c'est un allié de taille dans notre petite guéguerre contre les zombies. Et vous avez bien vu qu'il fait assez mal, franchement il fait assez mal. Moi je l'avais mis au niveau 2, je crois que c'était 2 à 3 coups un zombie normal. Voilà, c'est abusé, ça fait très mal. Maintenant pour les grottes glaciaires, on va avoir beaucoup moins de difficultés vu qu'il va réchauffer les plantes directement. Donc ben voilà, ben moi c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, donc j'espère franchement qu'il vous aura plu. Ben moi je vous dis à bientôt pour, je pense, l'épisode 20. On arrive à notre seconde dizaine, mine de rien, et ben, ça avance bien, je trouve, hein. On patine un peu parfois à cause des quêtes, mais bon, ou parce que je galère. Mais bon, je vais essayer franchement de faire tous les niveaux. Mais bon, en attendant, moi c'était Kevin Unver sur PVZ2. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis ciao tout le monde, à bientôt pour un prochain épisode.